Bonjour, je suis Rob Chambers, sous-ministre adjoint, infrastructure et environnement et co-président civil du comité. Et je suis le major-général Michel-Henri Saint-Louis, commandant par intérim de l'armée canadienne et champion des peuples autochtones de l'équipe de la Défense. Je suis également co-président du comité consultatif autochtone de l'équipe de la Défense. Et nous sommes heureux de lancer la semaine de sensibilisation aux cultures autochtones 2022. En cette période de l'année, l'équipe de la Défense rend hommage aux contributions des membres des peuples autochtones qui servent le Canada. Nos collègues autochtones font partie d'une équipe dynamique, formée de leaders et de professionnels compétents, servant au pays comme à l'étranger. Le thème de cette année est « Nous sommes tous dans le même canot, sous le même soleil ». Il s'agit d'un rappel du fait que l'histoire des peuples autochtones a commencé avant celle du Canada et qu'elle a joué un rôle essentiel dans celle-ci. Les chapitres les plus sombres de cette histoire renforcent le besoin de poursuivre ensemble notre marche sur le chemin de la réconciliation. Le travail des membres autochtones de l'équipe de la Défense d'hier et d'aujourd'hui a grandement profité aux Forces armées canadiennes et il continue d'enrichir l'ensemble du pays. Ceux qui servent actuellement, comme l'adjudant-chef Joel Peterson et le capitaine Todd Gervais, incarnent bien la contribution des militaires autochtones d'aujourd'hui. Ils ont tous deux récemment reçu la médaille de l'Ordre du mérite militaire, qui reconnaît un mérite exceptionnel et un service militaire remarquable. J'espère que d'autres trouveront en eux une source d'inspiration, qu'ils décideront de suivre leurs traces et qu'ils trouveront leur propre voie comme membres de l'équipe de la Défense de demain. Les peuples autochtones sont fortement représentés dans les Rangers canadiens, un élément unique des Forces armées canadiennes qui célèbre son 75e anniversaire cette année. Nous soulignons ce jalon en déclarant 2022 l'année du Ranger canadien. Pour cette occasion, nous organisons un certain nombre d'activités spéciales qui se dérouleront partout au pays. Nous ne sommes pas arrivés là où nous sommes en une journée et nous n'atteindrons pas nos objectifs demain. Cette semaine, nous prions nos collègues de l'équipe de la Défense de prendre le temps d'écouter, d'apprendre et de faire ce qu'ils peuvent pour s'assurer que nous continuons d'aller de l'avant.